Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la suite de la découverte. J'ai toujours accompagné de Loïc, bien sûr. Heureux. Donc là, on est parti pour la quatrième map, Du donc multijoueur. qui s'appelle Drift. Grift. Donc Drift, c'est une station de ski idyllique dans les montagnes rocheuses, un poste d'observation à l'altitude très prisée et un manège, pardon, permettant de tirer à 360 degrés sur vos ennemis. Oula. Mon avis, sniper, hein, cette map. Oh, je sais pas. Oh, pardon, j'ai changé de map. Hein. Grift. On va voir comment elle est. Je trouve que déjà, en voyant l'écran de chargement, elle a l'air pas mal. Hein. En plus, si je me trompe pas, il y a une animation aussi sur cette map. On va vous la faire voir. Enfin, en même temps, ça se met automatiquement, bien sûr. Il y a des décorations de Noël en plus. Ouais, mais bon, on est en février, mais c'est un peu en retard, je pense. Hein. Ouais, mais bon, c'est sympa. Regarde, là, tu vois les portes, tu vois les... Ah, regarde, il y a un sapin de Noël dehors. Oula! Oh, elle a l'air énorme. Ouais, Snape. Moi, je vais prendre essayer le sniper pour voir. Pour faire un test. Oh, quand tu vois en start, elle a l'air énorme. franchement, c'est la plus grande des maps. On va essayer de la parcourir un peu partout. Tant pis si on perd la partie. Hein. Oh, bah. Ok. On peut monter là? Ah non. Donc là, on peut monter là, bien sûr. Déjà, premier aspect, elle est belle. Hein. Moi, j'aime bien. Un petit manège. J'aurais dû peut-être mettre ECR-Core, peut-être. Oh, regarde, quel est le point stratégique? Il est tout en haut. Ouais, oh merde. Ah, il y a un carrousel là. Avec la petite musique et tout. Là-bas, il y a un sapin de Noël. Ouais, regarde, c'est en pleine fête de Noël hein, qu'ils ont fait cette map. Ouais. Attends, je vais l'informer un peu. Je pense qu'elle a dû être créée au moment des fêtes de Noël, Ah celle-là. ouais, le sapin. Il y a un petit sapin, Loïc. Un petit sapin, il y a un... Comment ça s'appelle? Des trucs en l'air, là. Merde, comment ça s'appelle? Oh, je sais plus. On a plus l'avantage. Oh. Il y a même un petit marché de Noël. Elle est belle. Franchement, je trouve qu'elle est belle aussi. Oh, elle est belle. Ah, il y a des... Ah, ça a lagué là. Il y a les télésièges là-bas, je vois. Ouais, c'était les sièges, voilà. J'avais du mal à chercher le nom. Ouais. Oh mince, il a changé de place ce point stratégique. Ah bah non, elle a pas l'air si grande que ça apparemment. C'est plutôt une map moyenne. Moi, pour moi, elle est grande. Ouf! Par contre, le snipe, je pense que sur cette map là, ça va vraiment aider les gens, je pense. Hein. Bon, moi je joue pas beaucoup au snipe sur ce Call of. J'aime pas trop en fait sur ce Call of là. Bon, mais moi je pense que ça va être ma préférée celle-là. Hein. Ah, moi, je pense que je peux faire celle d'avant. Non, moi je trouve que les graphismes sur celle-là, elle est bien. Ouais, mais bon. Voilà. On va prendre la KF5. KFC, so good. Aïe. Après, qu'est-ce que ça doit donner sur PS4 ou PC même? Ça va être encore mieux. Après, on peut pas juger vu qu'on est en partie privée, donc du coup, quoi. Non, j'ai fait un hitmarker, t'es sérieux? Ah non, je l'ai eu. Ok, j'avais dit un hitmarker en hardcore. C'est possible? Ouais, je sais. Ah, y a un truc là-bas, j'ai pas été voir encore. C'est quoi ici? Ah, c'est un genre de centre commercial un peu, non? Moi, Ah non. Ah non, pas tout à fait. Merde. C'est un peu chaud de... Ouais, t'inquiète pas, on va rattraper, moi j'explore un peu pour voir ce qu'il y a. Ouais, bah ouais, c'est ça. Oh, c'est sympa un petit village comme ça en dessous des stations de ski. Oh là, ça lag. On dirait qu'il y a une sorte de marché de Noël ici. Enfin, Ouais, non, c'est... c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Ah, j'avais pas fait attention. Ouais, ça c'est cool, ça. Ouh! Il y en a plus qui vendent. Par exemple, ils vendent des croissants. Des petits biscuits. Il y a quoi par là? Il y a une sorte de... C'est quoi ça?
Vas-y, c'est toi qui as la caméra, donc explore un peu. Moi, je fais en sorte qu'on gagne la partie. Ouais, hein, des petits sapins par-ci par-là, c'est cool ça. Hey man! Ouais, salut. Ils ont mis des petites guirlandes sur les portes, c'est mignon. C'est si mignon. Oh là! Ah non, je croyais que c'était une autre cam, mais non, pas du tout. Surtout de. Le truc pour acheter du café. Avec des petits beignets par derrière. Par ici. Ok, il y a une route par là. Oh. Une route. Ah, une route. Enfin, moi je trouve que c'est une route, mais après. Ouais, bah ouais, je pense que c'est une route. Voilà, par ici. Bon, je visite un peu, hein. J'aime bien visiter les maps. Enfin, on n'a pas fait beaucoup de visites par rapport aux autres. Comment Aux trois ça? autres. Ah oui. On n'a pas Attends. visité tout en entier, quoi. Voilà, il y a un bon spot sniper là. Moi, je pense que j'ai fait le tour, hein, je pense. Après, j'ai peut-être oublié quelques endroits. Ouais, franchement, elle est trop grande, mais elle est bien quand même. Non, moi j'irais plutôt qu'elle est moyenne, non. Ouais, bah. Ouais. Bah. Par rapport aux autres, je trouve qu'elle est largement plus grande que les autres. Hein. Enfin, c'est normal. Oh pardon, c'est mon portable. Excusez-moi. Je crois que la prochaine fois je mettrai en silencieux parce que ça peut être un peu Ouf. dérangeant pour certaines personnes d'entendre ça. Ça c'est sûr. Ah bah, je vais aller voir un certain endroit, j'ai peut-être oublié des endroits, mais je ne suis pas sûr. Est-ce qu'on peut visiter quelques maisons? Oh! Vêtements de fringues. Aïe, Ouais, mais il n'y en a vêtements. pas beaucoup. Hein. Vêtements de fringues. J'ai dit ça? Oui. Ah, d'accord. Magasin de fringues. Magasin de fringues, ouais. Mais il n'y a pas beaucoup de vêtements, malheureusement. Là, par là. Des petits sapins par-ci par-là. Ça, c'est cool d'avoir mis des. Oh là, une petite musique et tout là. Ah, stylé. Un truc qui aurait été plus stylé, c'est qu'il fasse une petite animation avec le Père Noël et tout, ça aurait été bien ça. Ouais, c'est sûr. Mais bon. Je sais pas, un Père Noël avec un traîneau qui balance des bombes ou un truc du genre, je Ouais. sais Ou qui jette des cadeaux, par exemple. Ah, ah ça tombe, il y a un colis spécial hein, pour cette map, ça tombe. Ah, peut-être, hein. C'est vrai qu'on n'a pas essayé les colis, il faudra qu'on essaye. Ouais. Dans la neige et tout. Oh, je suis en train de jouer avec la MP11 Express. Cette MP11 elle est terrible. Hein. Pour ceux qui l'ont, je vous la conseille parce qu'elle est terrible. Hein. Franchement, moi j'ai un shoot vraiment agressif avec cette arme. Moi, je sais plus, c'est. Non, j'avais pas de. D'élite. C'est la KF5, je crois. Une MP11, j'ai une MP11 Elite, mais je sais pas, je préfère celle-là en fait. Le pire c'est que la MP11 Express, c'est même pas une professionnelle, c'est une. Recrue. Ouais, une recrue, voilà. C'est une recrue la MP11 Express et. Et malgré ça, elle est terrible. Je vais prendre l'arme et. Après, comme toutes les mitraillettes, pour les shoots de loin, c'est pas terrible terrible, mais en combat moyen ou rapproché, c'est terrible. C'est pas chez moi ou y a pas l'animation? Il y a un soleil. Il reste 2 minutes 15 avant la fin de la partie. Donc j'ai pas mis 10 minutes de points, hein, j'ai mis 10 minutes. Hein. Comme ça fait 10 minutes pour chaque vidéo, c'est largement suffisant pour une découverte de map. Moi, ouais, c'est sûr. À part pour la map zombie, bien sûr. Ouais, zombie, ça dépend. Donc, Quoi. le zombie elle va durer un peu plus longtemps, je pense. Ça dépend. Oh, moi, je pense que si on finit par exemple un manche au niveau 5, on fera comment dire, une deuxième. Ouais.
Je pense pas qu'on va tenir 5 manches quand même. Ça dépend. Surtout que je sais pas du tout comment aller la map, j'ai rien regardé en vidéo. Merde. Et puis on pourra faire un secret aussi. Le secret. Je sais pas si on peut le faire à deux. Je sais pas. Je crois que je regarde sur internet, mais je pense. Ah ouais, mais au pire, si on fera avec. Ah ouais, mais. Si on fait avec des amis, ouais, ça va être un peu compliqué. Ah, surtout qu'ils sont, ils sont jamais sur. Aïe! Ils sont jamais sur Skype. Ouais. Au pire, au pire, s'il y a certains abonnés qui veulent venir pour faire le secret. Ouais, pourquoi pas. Je sais que il y a un de nos abonnés qui est à Advance Warfare déjà. Et qui nous a demandé si le DLC était payant ou. Ouais. Enfin, si c'est un abonné, parce que je sais pas du tout si c'est un abonné qui nous l'a demandé. Je sais pas, mais je crois que oui. Bon, je regarde, mais je suis sûr à 100%. Bon, les bots, c'est un peu nul, hein. Mais on n'a pas une animation, je suis déçu. Sud. Tristitude. Après, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a peut-être un colis spécial, hein. Ah, peut-être. Moi, je sais pas. On verra bien de toute façon. On fera le test. Oh, le Warbird, il passe crème quand même. Bien joué, Sentinelle. Oh, wesh. Non, pour moi, mon préféré, c'est celle d'avant. Franchement, aucun doute là-dessus. Bah moi j'irais mes deux préférés, c'est celle d'avant et celle-ci. Donc Ouais. Drift et Sideshow. Sideshow. Ah, moi je trouve que Sideshow il est mieux parce qu'il y a l'animation et tout, toi c'est stylé. Alors que ce soit sur celle-là, enfin, si on peut pas l'avoir, enfin, si on peut l'avoir mais avec le colis, c'est pas, je trouve ça pas, enfin bref, c'est pas très chouette quoi. Bon voilà. Donc voilà, on a fini les découvertes des cartes multijoueurs. Ensuite, bah là on va s'attaquer enfin au Enfin! It's a Zombie. Enfin! Donc là, bah, on se dit bah à tout de suite bah, pour la suite de la découverte et enfin le mode zombie. Ouais, je pense que beaucoup de monde l'attend, la vidéo du mode zombie. Ouais, je pense. Bah, allez, à tout de suite!